Voilà, maintenant qu'on a fini de faire avec le matériel, on va le laver. C'est parti. Alors voilà, là on est en train de débarrer ce qu'on avait barré il y a un mois bientôt parce qu'on a mis du coup les bêtes au pâturage et puis maintenant bah du coup moi je suis en train d'enrouler le fil puis deux qui sont là-bas en train d'enlever les piquets et puis on enlève tout ça et après on fera un parc pour les chèvres pour cet été. Alors on se retrouve, là on est le lendemain et donc maintenant aujourd'hui on va vider la place au fumier, on va aller mettre du fumier dans les champs, c'est parti. Alors pour ce faire du coup aujourd'hui j'ai demandé à quelqu'un de venir avec son tracteur et son épandeuse. C'est un Valtra à N je sais plus combien avec une épandeuse à fumier Miro de 10 mètres cubes. Du coup on met le fumier ben, où c'est qu'on avait barré pour les bêtes du coup. J'en mets un peu comme ça il y en aura, ça fera du beau petit foin. J'espère là on est mi-mai, normalement ça devra aller jusqu'à fin juin, normalement ça devra aller. Alors on se retrouve quelques jours plus tard, nouveau dans ma chambre, et puis on a fini d'épandre le fumier, maintenant on attend que ça pousse, on attend les grandes chaleurs pour pouvoir faucher, j'espère que je pourrai vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Alors n'hésitez pas à partager, vous abonner et liker, et à la prochaine, c'était Jérémy, ciao!